Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, unboxing avec la boutique Diamond Archif. Voilà, j'ai reçu un nouveau colis de chez eux aujourd'hui. Avec du Diamond Painting. Que du Diamond Painting. Alors dedans, il y a un petit paquet. DP et un deuxième DP. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude, je vais vous mettre en barre d'infos les liens utiles et nécessaires pour retrouver les articles que je vous présente, ainsi que le lien de la boutique. Puis voilà. Écoutez, j'espère que ça va vous plaire. On va commencer, mais je vais le faire face bureau pour que vous voyez mieux. À tout de suite. Voilà. On va commencer par le petit paquet. Alors, ça, c'est un truc que j'ai jamais pris. Bon, il restait un petit peu de sur mon budget à prendre. Et du coup, bah, j'ai pris ça. Je ne savais pas trop quoi prendre d'autre. Il y a le petit toolkit avec une pince, le stylet, le petit plateau et la glu. On a des strass, voilà, je vais vous les montrer en détail. Et je vous montre tout de suite ce que c'est. Donc, c'est un DIY. Hop. Allez, allez, viens. Alors, il y a deux objets dedans. Et je vous les montre tout de suite. Voilà, oui, des boucles d'oreilles. Voilà, donc voilà la première paire. Donc vous pouvez voir, hein, c'est super bien imprimé. Il n'y a pas de souci. Le montage des boucles d'oreilles est déjà fait. Et ce sont des recto verso. Voilà. On dirait des petits sapins là. Voilà la première. Et la deuxième paire, puisqu'il y en a deux paires. Voilà la deuxième paire. Donc pareil, super bien imprimé. Le montage des boucles d'oreilles est déjà fait également. Et c'est recto verso. Alors, c'est du... Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer parce que c'est très fin. Ah, si, ça y est. Vous voyez, voilà. C'est fait en plexi. Bon, c'est assez souple, hein, vous voyez. Mais bon, c'est rigide. C'est souple, mais un peu rigide quand même. Et vous voyez, l'épaisseur, c'est quoi? 1 mm, à peu près. Donc, voilà les deux paires de boucles d'oreilles qui seront à faire. Et maintenant, je vais vous montrer les strass que j'ai reçus avec. Excusez-moi pour le bruit. Alors, voilà. On a d'abord des strass ronds verts. Des gouttes d'eau rouges. Alors là, j'en ai, il m'en faut 4 et 4, 8. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, c'est bien fourni. Des petits strass rouges. Des petits strass verts. Des jaunes. Ici, des yeux de chat. Donc, pareil, les yeux de chat, il m'en faut... Ah, ben, il m'en faut que 4. Et vous voyez, j'en ai 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 13 même. Et ici, les strass transparents, enfin, couleur diamant, moi, comme je dis. Voilà. Donc, ça, c'est pour notre premier objet.
Je vais mettre sur le côté, je rangerai après. Ensuite, un DP. Alors, c'est un 30-40 avec 24 couleurs. Le petit toolkit, hein, comme d'habitude. Et ici, on a les perles rondes. Vous voyez. Alors, dedans, il y a des perles de la compagnie qui met un diamant sur les sachets. Et les autres, ben, il n'y en a pas, je pense. On va vérifier ça. Oui, c'est ça. Donc, il y a plusieurs compagnies pour les perles. Voilà, les couleurs. Marron. Ah oui. Certains ont le logo, d'autres non. Là, c'est encore avec une autre compagnie, ça. Encore un autre beige. Marron. Voilà. Il y a beaucoup de tons dans les beiges, les marrons. Ici. Là, c'est un bleu marine. Là, attention, celui-là il est ouvert. Voilà. C'est le noir. Ah, voilà. Et le dernier, un gris. Et le dessin, le voici. C'est des chevaux avec un paysage autour d'eux. Donc un cheval noir, un blond et un roux. Voilà, très joli aussi. Je vous ai dit le nombre de couleurs, oui, 24. Alors, l'impression. Voyons ce que ça donne. C'est nickel, hein. Vous voyez. Et niveau colle, il y a ce qu'il faut. Donc, on a une légende ici en haut à gauche, une légende en bas à droite, les petites explications et là, les références du kit. Alors. Hop, voilà, ça faisait une soufflette. Donc voilà pour le premier kit. Alors, ce kit-là était. Alors, je ne vous ai pas dit, les boucles d'oreilles étaient à 4,99$. Et le kit d'épée ici, il est à 4,88$. Notre
dernier d'épée, le deuxième. Alors là, il y avait à la base Chouchou, on avait choisi un autre, mais il était en rupture de stock. Donc il a pris celui-là à la place, mais il s'en rappelait plus. Il fait non, c'est pas moi qui a pris ça. Si, si, c'est toi. Mais il s'en rappelait plus. Alors, c'est un 40-30 avec 20 couleurs. Je vais le mettre là, sinon vous allez déjà le voir. Donc dedans, il y a un petit toolkit avec de la glu, les petits sachets zippés. Toujours utile. Et je vais vous montrer les perles. Ce sont des perles rondes. Là, elles sont en sachet chapelet. Et on a une feuille de route. Alors, je vous montre pas tout de suite le dessin de la feuille de route. Voilà. Donc, on a les 1, 2, 3, 4, 5, les symboles, les références DMC, les grammes, combien de grammes par sachet et combien il y a de... Ou alors, attendez. Bon, c'est écrit en chinois, hein, donc je ne sais pas. Ah oui, ou alors ça, c'est une autre référence couleur. Et là, il y aurait les grammes. Voilà, ici, les grammes sont ici en rouge. Alors, les perles. Là, les sachets sont coupés par couleur. Ici, un joli orange. Un rouge, orangé. Un vert. Ça, c'est pas noir, hein, c'est une autre couleur. Kaki. Un autre orange. Un jaune. Des beiges, notre sorte de beige, des roses orangées, du bleu, encore du bleu, un marron rouge, ouais, c'est presque rouge. Hein. Alors, le noir, alors là, il y a... tout ça en noir, 15 sachets. Un autre jaune et un dernier bleu. Voilà pour les couleurs. Et maintenant, je vais vous faire découvrir le kit. Donc, je vous rappelle, c'est un 40-30 perles rondes avec 20 couleurs. Et voilà. Et oui, c'est Blanche-Neige. Voilà. Donc je dis, Chouchou se rappelait plus qu'il avait choisi celui-là. Il pensait que c'était à moi. Bon, je lui dis, s'il veut pas le faire, je le ferai. Mais bon, il y en aura toujours un de nous deux qui va le faire de toute façon. Voilà. On met bien le plastique. Voilà. Donc très joli, hein, en forme de un peu vitrail. L'impression. Nickel, hein, même dans le noir. Bon. Ça se voit un peu moins, mais non, c'est bon quand même. De l'autre côté, c'est pareil. Hein. Vous voyez, c'est nickel. Et il y a de la colle. Voilà.
neige. Vous avez les chevaux. Et pour terminer, les boucles d'oreilles. Voilà. Alors, Blanche-Neige est à 4,88 € et les chevaux, pareil, 4,88 €. Ben, écoutez, voilà, la vidéo n'aura pas duré très longtemps. J'avais pas grand-chose à vous montrer, mais j'espère que ça vous a plu quand même. Dites-moi si vous avez déjà fait ces kits, si vous avez déjà fait des boucles d'oreilles. Et puis voilà. Hein. Ou dites-moi si ça vous intéresse, si vous pensez peut-être en prendre. Là, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et nous, on va se retrouver très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.